Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en compagnie de Joël Alessandra. Le voici, le voilà. Dans son atelier. Bonjour Joël. Bonjour Virginie. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, mieux ce serait pas supportable. Ce serait indécent. Ce serait pas possible. Alors on est venu pour te parler, pour nous parler. C'est le matin, il faut qu'on a bu le café, mais pour parler de ton dernier ouvrage, on l'a trouvé plutôt joli. Oui. Et elle est très jolie. Ah oui, elle est magnifique. C'est toi qui l'as fait, qui l'as dessiné. Mais c'est pour ça que je dis ça, honnêtement. Donc, ça sonne un petit peu comme un titre connu, alors déjà de Pierre Perret, hein, oui, mais pas que. Alors oui, parce que donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, cet album, c'est une adaptation d'un roman de Michel Bussy, qui est le fameux, le grand romancier, le king du twist, comme on dit. Alors, c'est-à-dire qu'il il écrit souvent et majoritairement des polars, et il utilise assez régulièrement des types de chansons. Il y a Un avion sans aile, par exemple, on l'a trouvé plutôt joli, etc. Donc ça, c'est un petit peu son credo. Et l'héroïne, à l'instar de la chanson de Pierre Perret, qui s'appelle Lily, s'appelle Lely. Voilà. Donc il y a quand même une petite différence. Ouais, voilà. Alors, dans cette rencontre, donc, est-ce que tu as rencontré Michel Bussy avant? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, comment est né cet ouvrage? Alors, en fait, c'est une ancienne éditrice de chez Casterman, qui est une maison d'édition pour qui j'ai fait quand même pas mal de livres, qui est maintenant directrice éditoriale du pôle bande dessinée chez Michel Lafon, qui a donc acquis les droits d'adaptation du roman, et qui voyait, alors merci à elle, hein, vraiment un très grand merci à elle, qui voyait quelqu'un comme moi, qui me voyait bien sur l'adaptation de ce bouquin, de par mon expérience personnelle, de mon attachement à l'Afrique, puisqu'on en parlera peut-être après, mais voilà, on l'a trouvé plutôt joli, il y a une histoire de migrantes, de parcours un petit peu du combattant, de ces gens qui essayent de fuir leur pays pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, etc. Donc de par un petit peu mon expérience du terrain, de l'Afrique, de mes nombreux voyages là-bas, et mes expériences, et comme tu disais, de mes livres précédents, Laetitia Lehmann, qui est éditrice, me voyait bien là-dessus. Donc les droits avaient été acquis. Ensuite, il a fallu faire quand même des pages d'essai pour montrer à Michel Bussy que j'étais, d'une certaine manière, l'homme de la situation. Voilà. L'homme qui est dans ma pique. Mais il n'a pas... Non, attends. Non, je confonds avec Magnum. Magnum a la moustache. Ah, il a la moustache, voilà, c'est ça. Zeus, Apollon. Voilà, les Doberman arrivent. Couché. Souvent, alors Michel Bussy est un amoureux de bande dessinée, vraiment, il a fait Nymphéa Noire, Chair Libre, où il y a eu cette adaptation, majoritairement, il y a toujours un scénariste qui va faire l'adaptation, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Frank Duval, en l'occurrence, souvent, qui fait cette adaptation, et moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça, donc j'ai envie de faire l'adaptation moi-même. C'est toujours plus chiant, toi, de faire. C'est ça, donc ça fait de nombreux problèmes. Non, mais voilà, donc Michel Bussy, quand même, qui a l'habitude de faire des adaptations de bande dessinée avec Duval, etc., voulait quand même que je montre patte blanche et que je fasse des petites choses pour lui montrer que j'étais capable, ce qui est tout à fait légitime. Oui, et voilà. Donc j'ai fait. C'est toujours pareil, hein, c'est en couleur directe, à l'aquarelle, crayon à l'aquarelle. Oui, on retrouve bien ta patte. Oui, alors j'essaye de garder quand même mon style graphique et puis. Et puis voilà, donc j'ai fait quelques pages pour Lucy, une petite note d'intention, un petit découpage, voir comment je voyais les choses, comment j'allais adapter, avec moi une volonté quand même qui est quand même très, très marquée. Pour les adaptations, j'avais fait une adaptation d'un roman d'Amin Malouf qui s'appelle Le Péril de Baldassare chez Casterman. Et de la même manière, j'avais voulu garder une véritable fidélité au roman d'origine. Alors, moi, je ne vais pas... réinventer, réécrire, etc. C'est son œuvre littéraire, c'est son écriture, c'est son histoire. Donc moi, je ne suis que le bras armé de cette histoire. C'est un autre médium pour... Donc j'ai pas inventé de scène, j'ai pas... Par contre, dans une adaptation, on part quand même d'un roman, je ne sais plus combien de pages j'ai fait. Il doit faire 400 pages. Pour arriver à une bande dessinée, bon, on est sur du roman graphique.
Donc on a quand même une grande latitude au niveau de la pagination, mais ça reste, 140 pages, donc il faut passer de 400 et quelques pages à 140 pages de bande dessinée. Donc il y a beaucoup de choses à condenser, des ellipses à opérer là-dessus. Et donc j'ai travaillé évidemment avec un storyboard pour les spectateurs, auditeurs, internautes, etc. Qui ne savent pas ce qu'est un storyboard. En fait, c'est le brouillon de la bande dessinée, page par page, avec le découpage en vignette comme la bande dessinée finale, comme l'album. Simplement, c'est griffonné, voilà. Mais les cadrages sont là, c'est les gros plans, les plans américains. Et surtout, c'est tout est dialogué, la voix off est posée, les dialogues sont mis en place. Ce qui a permis à Michel Bussy de se rendre bien compte du rythme narratif, de la fluidité de l'adaptation, bien montrer qu'on était vraiment en adéquation avec son roman, qu'on ne trahissait pas, et surtout, comme c'est quand même un polar où il y a plein d'indices qui sont disséminés, qui sont posés, etc., ne rien oublier. Et le storyboard, pour ça, est un outil magistral, parce qu'on peut revenir en arrière, regarder, corriger, remettre des pages, en enlever, mettre des lenteurs quand c'est trop accéléré, donner des pauses quand justement on foisonne d'informations. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui a été fait ensuite. Et pour revenir à ta question première, est-ce que j'ai rencontré Michel Bussy? Donc on a tout fait, donc on était encore un petit peu en confinement, on sortait de la crise sanitaire ou pas. Bon, c'était un petit peu bizarre comme période. Oui, hein. C'était un peu étrange. Non, on a eu du mal à se croiser physiquement, donc on a fait pas mal de visioconférences. Et je l'ai croisé une fois ou deux en festival, mais en festival de littérature, où il y a aussi de la bande dessinée. Mais c'est quelqu'un qui était... Alors je fais des coucous de loin comme ça, « Hey Michel hein? C'est Joël Alessandra qui fait l'adaptation. » « Qui ?» C'est Joël Alessandra. Mais oui. Et en fait, parce qu'il a 200 000 personnes devant lui en dédicace. Donc on s'était vu comme ça. Et puis on a eu une chance, enfin on a fait il y a 10 jours, là, ou 15 jours, on a fait une dédicace ensemble dans une librairie spécialisée de bande dessinée le jour de la sortie de l'album. Dans le 17e, voilà, dans une librairie BD, et on a dédicacé côte à côte, et c'était vraiment super parce qu'on a pu tchatcher un peu, raconter. Donc il y a des lieux qui décrit. Donc moi je suis allé dessiner sur place dans les lieux du roman, etc. Donc dire ah oui, mais t'es passé là, oui, ah ben non, ah, c'est que tu l'as pas inventé parce que je l'ai vu, tout ça. Donc c'était assez rigolo, petite cuisine comme ça. Et on a bien rigolé parce que. Lui fait des petites phrases en dédicace et puis il s'est essayé. Alors là, on voit, il y a une chouette, en fait, c'est un des éléments du roman. Donc, voilà. Et lui, il fait une petite chouette en dédicace. Et voilà, donc souvent, les gens après les 9 ans, ils disent vous avez du tipette pour le Il l'arrache. Il l'arrache et il garde que ma superbe dédicace. Bien sûr, évidemment. Couleur, parce que c'est voilà, on parle de bande dessinée, c'est normal. Non mais voilà, on a passé un super moment avec Michel Bussy, et c'était drôle, on a bien rigolé, tout ça, c'était vraiment sympa. Bon. Voilà. Donc le support aussi, donc visuel, les émotions par exemple, elles passent par tes images. C'est une question? Non. Tu pourras te laisser, ça m'arrange. Oui, bah, ah, oui, oh diable. Non mais c'est vrai que dans un roman, on est obligé de décrire cet état émotionnel, les décors, tout ça. Et en fait, c'est vrai que l'avantage avec ce bouquin, mon roman graphique, c'est pour ça que tu dis 140 pages, c'est beaucoup, mais finalement, c'est peu aussi. Parce que en un dessin, tu peux faire passer plein de choses, les émotions, la description du lieu, etc. Absolument. Donc, c'est bien. T'as voilà. Compris qu'il fallait leur contraindre. Non, tu as raison. Oui, non, j'irai même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que la bande dessinée permet aussi de s'affranchir de longues descriptions, comme tu dis, de phrases, etc., puisqu'on ne va pas paraphraser, je veux dire. Exactement. Et Lily attrape. C'est exactement là. Non, en bande dessinée, on essaye justement de prendre ce contre-pied-là, etc. Et alors, il y a une petite. Tu parles des images, des émotions, tout ça. Quand on en parlait avec Michel Bussy pendant la dédicace, il me dit non mais tes personnages vraiment je suis très content, ils sont bien. Alors il me dit mais par contre l'héroïne moi je la voyais pas du tout comme ça. Oh les merde. Oh. Non je la voyais avec des cheveux longs, etc. Il me dit le fait que tu l'aies fait les cheveux très très courts lui amène une dimension encore une autre dimension de maturité de et puis ça lui amène une dimension masculine et okay. Tout ce qui va avec l'énergie masculine. Waouh, ça j'avais pas vu ça comme ça mais effectivement. Ouais, ouais. Et c'est donc, pas venu pour rien. Voilà non mais surtout qu'après on va
On va se prendre un petit apéro et tout. C'est, bah, c'est bientôt, Heidi, c'est le matin d'après le café, en vrai, non, parce que si, en vrai. Mais on va. Un petit blanc frais. C'est le matin qu'on commence plus tard. C'est ça, mais c'est le sud. C'est le sud. Et voilà, et sur les, effectivement, sur les images, alors je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il y a, oui, des, il y a du rythme, voilà, avec des scènes qui sont en flashback. Donc ça, c'est café. C'est au café. C'est au café, donc voilà. Là, pour les... Voilà, parce que Joël, pour ceux qui ne le connaissent pas, se sert de prendre beaucoup de café, et donc des coulo, enfin, c'est pas des scènes. Alors, c'est du café, hein, voilà, voilà. Voilà. J'ai un petit pot de café, là, voilà. Alors, et ça donne cette teinte ocre, sable, un peu sépia, qui se prête. Bon, alors, c'est un artifice de cinéma qui est hyper usité depuis des siècles, hein, depuis le Moyen-Âge, depuis que le cinéma existe, en fait. Hein, et moi, tu pensais que c'est toi qui l'avais inventé. Non, 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 alors, non, alors, bon, j'ai participé avec les Louis Lumière, nous étions d'ailleurs en train de. Moi, je suis dans le train qui rentre en gare de la Ciotat. Je ne sais pas si tu connais, c'est le premier film des Lumières. Ma maman habite la Ciotat, c'est pour ça que je dis ça. Donc, c'est quelque chose qui est très usité au cinéma, etc. Bon, c'est un truc, mais qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire, quand on est en couleur, évidemment, c'est le moment présent. Et puis, quand on passe en ocre, sépia, etc., on a un flashback. Et c'est intéressant pour l'histoire, pour un polar comme ça, qui est traité par petites séquences systématiques. Ça donne du rythme, ça donne des pauses. Voilà. Et donc, aussi, le choix de ces couleurs, c'est parce qu'on est quand même sur ces flashbacks sur l'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, il y a des tonalités, on est avec des réfugiés, des migrants. Je trouvais que cette tonalité, en plus d'être un médium de prédilection pour moi, le café, se prêtait tout à fait à ces séquences. Voilà. Tout à fait. Et donc, alors moi, j'ai une personne à qui j'ai prêté le livre. Mais il fallait qu'elle l'achète dans la librairie. Pourquoi tu... Non, il fallait donner la référence. C'est vrai, t'as raison. Tu vois, tu vois ma bonté. Et donc, cette personne, quand je lui ai dit c'est une adaptation du roman de Bussy, m'a dit: ah, moi, Bussy, j'ai beaucoup de difficultés, c'est long, c'est. Je lui ai dit, lis la BD. Ah. Elle l'a lu. Et ben, tu sais quoi? Non. Elle a... Elle veut pas l'acheter, du coup. Non, elle a adoré. Et elle s'est mise à lire le roman de Bussy. Ah, et chouette. Elle m'a dit, mais tu vois, je l'ai lu avec beaucoup plus de facilité parce que j'avais des repères. Ah, c'est excellent. Et donc, voilà, on peut faire aussi cette lecture dans cet ordre-là. D'abord la BD, parce que, et après, quand on lit, hop, on a les images qui nous viennent. Alors, oui, c'est peut-être un peu impensif, mais c'est vrai que la bande dessinée amène quand même à des... L'avantage de la BD, c'est qu'on peut traiter tous les genres, tous les sujets. Tu avais d'ailleurs traité un sujet sur la greffe de peau. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais oui, c'est à fleur de peau, c'était voilà, le titre de l'album. Et je parlais de neurofibromatose, qui est une maladie génétique rare. Voilà, donc on peut traiter. Voilà, tu peux traiter tous les sujets. Voilà, mais on peut parler de polar, on fait des biographies, on fait. Donc il y a vraiment tous les genres, etc. Et donc le genre littéraire aussi, c'est-à-dire les adaptations de romans. Se fait beaucoup, hein. C'est quelque chose qui est depuis quelques années maintenant en bande dessinée, il y a énormément de... Et moi je trouve que c'est fabuleux parce que c'est une autre lecture, encore une fois, une autre impression, encore différente de l'adaptation cinématographique ou de la série télé, etc. On a vraiment une autre dimension et ça amène quand même plus facilement les gens qui ne sont pas, comme tu dis justement, qui ont un petit peu de difficulté à rentrer dans des romans... première fois, la BD nous amène quand même à des lectures comme ça. Voilà, par exemple, moi j'avais lu Congo de Tiara Bosco, qui parlait en fait, qui était une adaptation du roman de Conrad, Le cœur des ténèbres, qui est très difficile. Enfin, moi j'avais beaucoup de mal, et grâce à la bande dessinée de. Oui, non, mais c'est. Ouais, non. Bon. Enfin, les gens en plus de ça, c'était quoi? Non, mais là, bon, là, je suis un peu, c'est vrai. Moi, il faut des images. Ouais. Donc, j'étais rentré avec Tiara Bosco sur son nom. J'avais lu Au cœur des ténèbres de Conrad avec beaucoup plus de facilité, comme tu l'as justement expliqué. Mais c'est ton métier, tu es journaliste, donc tu sais bien expliquer les choses. Pas voilà. Toujours. Non. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce biais-là. Et puis, quand même, moi, je trouve que c'est valorisant parce que ça croise l'électorat, finalement. Parce que des gens aussi qui ne lisent pas régulièrement des BD ou des romans graphiques, ben là, ils voient une adaptation, ils se disent: ah, tiens,
je vais voir ce qui en ressort. Et puis alors, tu l'as enlevé là, mais. Non, mais attends, je l'ai tombé par tu l'as terre. Tombé. Mais alors, l'éditeur a fait un truc vachement bien, c'est qu'il a fait un bandeau, d'après le roman de Michel Bussy, un suspense renversant et bouleversant. Donc, avec un truc comme ça, on ne peut pas passer à côté. Non. On va le remettre. On va le remettre comme ça. Mais non, mais si quelqu'un passe à l'atelier, on voit qu'il y a un. C'est ça. Tu vois. Voilà, non, non, c'est. Plus sérieusement, c'est une expérience. Moi, je te disais tout à l'heure, j'avais fait une adaptation de roman d'Amin Malouf, etc. Mais se confronter au roman policier, enfin au polar, c'est quelque chose dont je n'ai pas vraiment l'habitude. Donc, c'était pour moi vraiment un challenge. En plus, c'est vrai que c'est un roman qui est très dense, avec tout un tas de choses un peu compliquées à rendre roman dessiné, notamment, puisqu'on disait ça tout à l'heure de Bussy, que c'est le roi du suspense, du polar et du swing. Du renversement. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans le roman qu'on est dans un lieu et puis on s'aperçoit au fur et à mesure de l'histoire qu'on n'est pas vraiment dans ce lieu-là, mais rien ne laisse présager de ça. On est perdu dans l'expansion, le temps. Voilà, des personnages, on a l'impression qu'on. Que ces personnages sont là, mais en fait ils sont pas là, machin, je sens rien dévoiler. Oui. Mais ça, c'est, je dirais, il a ce talent, Bussy a ce talent pour nous amener vers ça avec le poids des mots et moi, le choc des photos, bah, il est plus compliqué parce que je suis obligé de représenter les choses en dessin et donc de pas dévoiler, de camoufler certains passages, de dessiner d'une certaine manière pour pas montrer l'environnement, pour pas montrer. Voilà. Et ça, c'est un véritable challenge en bande dessinée. Vraiment, je me suis un petit peu arraché les cheveux, mais c'est ça qui fait aussi le plaisir de la création d'un livre comme celui-là. Voilà. Maintenant, tu es prêt à en faire d'autres. Alors, ben oui, j'ai plein de projets et toujours. Hein. Alors, pour les romans policiers, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si je serais prêt à m'y remettre parce que c'est quand même un exercice un peu particulier. Et oui. Voilà. C'est, ben, pour une fois, j'ai débossé. Quoi. Ça te charge. J'ai dû travailler, j'ai dû me remettre en question, ce que je fais jamais en fait, parce que ce que je fais c'est bien tout de suite, naturellement. Et là c'est un peu voilà. Ouais. Donc en tout cas vous l'aurez compris, un ouvrage à découvrir absolument. Les fêtes approchent, donc à offrir aussi parce que c'est un très beau cadeau. Et alors comme pour l'offrir, il faut l'offrir par deux en fait. C'est parce qu'il y a voilà. Oui. Parce que quand dans un couple, tu l'offres, oui, il y a les couples qui vont gagner, qui s'est mis ensemble, ça crée des conflits, on prend deux tout de suite. Comme et ça. Puis après, ce qui est le plus facile, c'est de venir te voir et comme ça, chacun a son propre dédicace. Absolument. Dédié, personnalisé, et donc au café, évidemment. Ah oui, bien sûr. Pinceau, café, voilà. Donc, et d'ailleurs, moi j'ai choisi ce que je veux là pour ma dédicace. Alors qu'est-ce que tu veux ? Je veux le papa. Oh oui ! Parce que je trouve que il a un caractère, le regard est profond. Ah, bah, mais ça, vous verrez voilà. Pas. Voilà. Ah, non, il faut venir sur les salons. Ouais, ah non, si, on ne peut pas tout dévoiler parce que sinon c'est. Et donc, on va prévoir quand même quelques rencontres dédicaces en Occitanie. Voilà, donc du côté de. Voilà, un peu partout, à l'Est, Montpellier. Après, on va aller plutôt. C'est un peu loin, mais vers Toulouse, tout ça. Mais ça oui, mais il y a peut-être. Nos auditeurs sont peut-être là, on ne sait pas. C'est ça, absolument. Donc, rendez-vous en dédicace. Voilà, donc n'hésitez pas à aller retrouver Joël. Et puis, il y aura ces autres livres aussi, parce que tu as des livres qui sont. Moi, tu sais, je suis fan. Merci. Alors, je n'ai pas du tout les BD, et puis les BD intelligentes, mais tiens, tu me les as fait découvrir. Oh, c'est super gentil. Merci. J'adore beaucoup, ça. Merci infiniment. Donc, voilà, on l'a trouvé plutôt joli. De Joël Alessandrin, adapté du roman de Michel Bussy, et puis toutes les autres œuvres sur les salons. Oui, il y en a beaucoup. Et puis voilà, il faut suivre Joël sur les réseaux sociaux parce qu'il met tout le temps des petites vidéos, des petits danses. C'est très très bien. Voilà. C'est un homme bien. Mais oui, alors sous tout rapport. Merci beaucoup. Merci Joël, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.